Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment gonfler un ballon dans un ballon. Pour cela, on va avoir besoin d'un ballon d'éco-bubble 51 cm, donc transparent, que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce de fête, de 4 petits ballons 13 cm, donc là moi j'ai pris du blanc métallisé, d'un ballon latex, là j'ai pris rose gold en 30 cm, d'un ballon à sculpter en 260, d'un bolduc environ 1,50 m, d'un gabarit pour effectuer vos diamètres, d'un gonfleur électrique ou un gonfleur à main, et d'une bouteille d'hélium, donc bouteille jetable ou une bouteille professionnelle comme la mienne. Donc pour commencer, on va ouvrir donc le Deco Bubble. Je vous montrer comment il se présente. Donc voilà, on le déplie. Voilà. Dans un premier temps, on va gonfler pour détendre le ballon d'Eco Bubble. On va le gonfler très légèrement. Donc là, j'utilise ma bouteille d'hélium. Voilà. Donc là, j'ai décollé les parois. Je vais le poser à plat, donc sur la surface. Et là, donc là, moi, j'ai pris une petite baguette, mais vous pouvez prendre un crayon à papier. On va venir insérer donc la baguette ou le crayon de papier dans le ballon latex. On va l'enrouler autour de celui-ci. Et on va venir tout simplement l'insérer dans votre ballon d'éco-bubble. Comme ceci. En gardant la partie où vous allez gonfler au même niveau que la languette du déco-bubble. Là, vous enlevez votre bâton. Et ensuite, on va gonfler notre ballon latex. Donc moi à l'hélium, mais vous pouvez le faire à l'air. Voilà. Donc là, mon ballon latex est gonflé. Je vais légèrement gonfler mon ballon d'éco-bubble. Donc je vais insérer sur le côté. C'est normal. Donc toujours pareil, un déco bubble bien gonflé, il faut plus qu'il y ait de plis sur le côté. On peut à nouveau gonfler son ballon latex. Et voilà. Là, vous êtes avec un ballon gonflé dans un autre ballon. Ensuite, vous allez tourner. Avant de faire le nœud, vous allez tourner votre ballon sur lui-même. Et là, le nœud, aujourd'hui, on va le faire avec un ballon à sculpter. Donc, mon ballon à sculpter, hop, je vais l'entourer autour de mes deux ballons. Et je vais faire mon nœud. On serre bien. On peut faire éventuellement un deuxième nœud. Voilà. Et là, les deux ballons sont correctement. Ensuite, je vais accrocher donc mon bolduc autour comme ça. Voilà, on peut faire un deuxième nœud aussi.
dégage bien les deux ballons. Voilà. Donc là, je le laisse partir en haut dans un premier temps. Et là, maintenant, on va venir gonfler à l'air nos petits ballons. Donc le diamètre que je vais utiliser, c'est du 4 pouces. Voilà. Donc c'est parti. Donc on vient calibrer nos ballons en 4 pouces. Et on va venir les accrocher deux à deux. Donc là, bien serré, toujours pareil. On tourne une fois d'un côté et on tourne une autre fois de l'autre côté. Et là, ça vous fait une doublette. Pareil pour les deux derniers. On va venir calibrer le ballon également. On les accroche aussi. Voilà. Et votre deuxième doublette est faite. Ensuite, alors j'ai oublié, dans un premier temps, on va fixer les deux doublettes ensemble. Donc on appuie bien au milieu et on tourne la partie du haut. Voilà. Et là, vous avez un cluster de 4 ballons. Après, vous prenez votre ballon gonflé à l'hélium et tout simplement, on va venir le fixer au milieu. Voilà, comme ça. Et là, on va céder. Donc, du ballon 260, on va venir le tourner autour de notre cluster. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Là, on a fait notre sucette pour customiser notre ballon hélium. Après, on peut venir filer le bolduc avec une paire de ciseaux. Voilà. Et voilà un super ballon réalisé. Donc, voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.